on se retrouve pour la deuxième partie du débat CF News. Rebonjour à tous. Les études de France Invest sur la performance du private equity font état depuis quelques années d'une performance à deux chiffres. On parle de TRI de 14,2% sur 10 ans à fin 2022. Est-ce que les clients privés peuvent attendre la même performance ou pas, Agathe? D'une manière générale, les fonds pour la clientèle privée ne font pas n'ont pas de ce qu'on appelle de mécanisme d'appel de fonds et sont souvent bloqués pour des raisons fiscales, pour pouvoir avoir un avantage fiscal à la sortie. Et donc, tous ces mécanismes vont dégrader naturellement par structuration, mais pas par les opérations, le mécanisme de performance. Donc, on investit dans les mêmes actifs, mais la structuration fait qu'il y a une dégradation, entre guillemets, de la performance finale. Exactement. En fait, un fonds classique de private equity, c'est un investisseur qui prend un engagement dans un fonds de plusieurs millions d'euros parfois. Et ensuite, le gérant de private equity va appeler les fonds au fur et à mesure des investissements. Ça, il peut le faire parce qu'il a une vingtaine d'investisseurs. Quand on a beaucoup parfois des milliers d'investisseurs qui entrent en permanence, on ne fait pas ce mécanisme. On les appelle à 100%. Donc, les sommes en attente d'investissement sont placées en général en monétaire, incombent à nous, société de gestion, d'investir aussi le plus rapidement possible. En général, les fonds sont distribués par des partenaires qui sont rémunérés pour leurs conseils. Et donc, ça va aussi impacter la performance. Mais cela dit, tout le marché est en train de se structurer pour offrir un accès exactement aux mêmes actifs que pour les clients institutionnels. Donc, il y a une dégradation par la structuration des TRI, mais les multiples attendus, en général, sont plutôt les mêmes. Justement, sur la dégradation du tarif, si on devait le chiffrer, à combien est-ce qu'il pourrait se... L'objectif, en général, c'est de dépasser la dizaine de pourcents et ça va dépendre vraiment aussi du sous-jacent. Là aussi, si on prend une prise de risque importante, on va attendre un TRI à deux chiffres. Si on va faire que de la dette privée, on est quand même dans un univers de la dette et donc on va plutôt avoir une performance qui va être plutôt inférieure. Oui, peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit. Déjà, le TRI, c'est une notion qui est très institutionnelle. Vous demandez dans la rue à pas mal de personnes ce qu'est un TRI, je vous défie d'avoir une réponse correcte. Donc les investisseurs d'une façon générale, même parfois sophistiqués, en tous les cas sur le marché du particulier, raisonnent souvent en multiples. C'est-à-dire je mets 1000 euros, combien je vais récupérer à la fin? Je vais récupérer 1500, 2000 ou 3000. Ça parle beaucoup effectivement aux personnes. Donc souvent dans nos communications, dans le marché du retail, on parle à la fois en TRI, puisqu'on doit le faire pour des raisons réglementaires, mais aussi on parle en multiples. Le multiple s'illustre plus pour les investisseurs particuliers. Après, il y a aussi un point qui est très important. Quand vous investissez dans le Nasdaq ou dans le S&P, vous n'avez pas forcément les mêmes attentes de rendement, mais vous prenez plus ou moins de risques. En fait, c'est un peu la même chose sur le private equity. On le disait tout à l'heure et Laurent le disait, quand vous faites du venture capital, de l'innovation, certes, vous pouvez avoir des entreprises qui vont parfois faire du x10, x15, x20, mais à côté de ça, vous allez avoir des entreprises qui vont faire défaut. Et ce n'est pas grave, puisque c'est la nature même de l'investissement sur des entreprises qui sont des jeunes pousses et qui sont très très jeunes. On va trouver peut-être dans l'eau quelques licornes, mais on va aussi avoir des entreprises en défaut. De l'autre côté de l'échiquier, vous allez avoir quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui sur le marché du particulier, qui est le fonds de fonds. Alors le fonds de fonds, c'est un assemblage finalement. C'est la société de gestion qui va aller faire une sélection de ce qu'elle considère être les meilleurs fonds institutionnels qui sont réservés que pour les institutionnels. On peut faire des allocations 100% primaire, on peut faire du primaire ou du secondaire. Chez nous, par exemple, on a un produit qui s'appelle Myriad. On avait fait un premier millésime, on a levé 100 millions d'euros, on est en train de faire un deuxième. D'ailleurs, je crois que c'est distribué dans les équipes de Laurent au niveau du LCL. Myriad, en fait, c'est un produit qui va vous donner accès à peu près une quinzaine, vingtaine de fonds primaires et fonds secondaires, mais sur un seul fonds. C'est-à-dire qu'avec un ticket d'investissement de 100 000 euros, vous allez avoir 15 sous-jacents d'un seul coup, qui sont normalement des fonds sur lesquels vous devez normalement investir quelques millions d'euros pour y avoir accès. Là, on est vraiment dans la démocratisation. On va ouvrir à la clientèle particulière la possibilité de s'investir sur les meilleurs fonds LBO du marché européen ou américain pour des tickets d'investissement qui restent conséquents. 100 000 euros, ça reste des sommes pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, mais qui sont quand même des sommes qui peuvent être accessibles, en particulier quand on met des mécanismes en place où on ne va pas appeler l'argent en une fois, on arrive aujourd'hui à parfois l'appeler en plusieurs fois, et notamment sur Myriad, on l'appelle en 4 ans. On fait 4 appels de fonds de 25% chacun. Et on sait à l'avance de combien on va être appelé. Exactement, et c'est à date fixe, c'est-à-dire il n'y a pas de surprise, vous mettez 100 000 euros,
on va vous dire on appelle 25 000 euros tout de suite et puis 25 000 euros les 3 prochaines années. Donc on va donner un calendrier, une lisibilité à l'investisseur et ça va lui permettre de faire un effort d'épargne moindre pour arriver à l'exposition minimum de 100 000 euros sur ce type de fonds. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui la classe d'actifs est déjà bien appréhendée par les clients mais aussi par les distributeurs? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on fait pour améliorer cette compréhension du produit? Peut-être Laurent. Alors aujourd'hui, il y a toute une partie des gens qui ne sait pas ce qu'est le private equity. Et donc notre mission, c'est une mission d'explication, une mission d'évangélisation à la fois des clients finaux et des distributeurs, qu'ils soient banquiers, qu'ils soient CGP pour d'autres. Très clairement, aujourd'hui, on se doit d'apporter des explications sur les différentes solutions, déjà sur ce qu'est le private equity, comment on investit dans le private equity, quelle stratégie d'allocation dans le private equity et comment on le gère dans le temps. Par quoi ça passe? C'est des formations, finalement, des webinaires? Alors, ça passe par des formations qui peuvent être, je dirais, en présentiel, des webinars. Et là, vous en faites tous les deux et fréquemment. Et on n'en fait jamais assez en termes de formation. Ça passe par des événements clients, que ce soit des déjeuners autour d'une thématique, autour d'un fonds, autour d'une stratégie d'investissement. Voilà un petit peu toutes les formes que cet effort de formation qu'on doit tous faire peut prendre. Oui, je voudrais qu'on termine ces échanges avec un peu de perspective. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un point de vue réglementaire en 2024 pour révolutionner ou pas d'ailleurs peut-être le private equity et notamment sa distribution auprès du retail. Pour vous, quels sont les sujets réglementaires les plus importants à venir? Est-ce que ça va vraiment changer votre façon de travailler? Je pense à LTIF, la loi industrie verte, Agathe. D'une manière générale, on a eu la loi LTIF qui a permis d'offrir à des particuliers dans toute l'Europe des fonds de non cotés, qui a eu certaines limites parce que parfois le régulateur a besoin de plus de moyens pour mieux comprendre comment on aborde ses clients. C'est la raison pour laquelle ils ont fait LTIF 2 qui vient d'entrer en rigueur. Mais pourquoi est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose par rapport à LTIF 1, entre guillemets? LTIF 1, il y avait encore des conditions très fortes pour déployer et pour accéder à une certaine typologie de clients. Les montants restaient relativement conséquents, avec des patrimoines financiers minimums qui étaient aussi conséquents. Donc, c'était un premier pas vers la démocratisation. Mais, et en termes d'instruments financiers qui pouvaient être utilisés dans les fonds, on était très limités. Pas de dette privée, c'est ça? Voilà, c'était pas très adapté à la dette, mais notamment le fonds de fonds aussi. Et donc, LTIF 2, ils ont fait un travail considérable. Donc oui, on espère que ça va changer la donne. Ça va nous permettre de déployer auprès d'investisseurs dans toute l'Europe, parce qu'il faut avoir en tête que les marchés sont très protectionnistes dès qu'on commence à vouloir laisser investir des clients particuliers. La loi LTIF 2, c'est un point majeur, je pense, dans l'ouverture de nos marchés à l'international. Et on a plus récemment la loi Industrie verte, dont on attend les décrets et son entrée en vigueur en octobre, où les assureurs vont devoir proposer une exposition en non coté dans des contrats d'assurance vie, mais aussi dans les PER. Et ça va aussi beaucoup conduire l'offre. C'est une vraie demande des assureurs à ces mécanismes. On a quand même relativement une bienveillance et une demande du marché. Les clients particuliers ont entendu parler du private equity, ont entendu dire par toutes les études que c'est une classe d'actifs qui surperforme sur le long terme, s'exposer à des nouvelles typologies d'actifs. Et donc là aussi, le fait qu'on leur propose des nouveaux produits avec des structurations innovantes grâce à des évolutions réglementaires, ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire ce travail d'éducation, qui comprennent quels sont les sous-jacents dans lesquels ils sont investis. Et nous, notre métier, c'est d'assouplir les conditions d'accès. J'imagine que Benoît, vous êtes très content aussi de l'arrivée de la loi Industrie verte. Alors, Industrie verte, tout à fait. Je partage tous les points qui ont été dits par Agathe. Peut-être sur LTIF. Bon, si on appelle un chat, LTIF 1 a quand même été un échec. LTIF 2 sera sans doute mieux. Après, je pense qu'il faut aussi mettre ça en perspective par rapport à la taille des sociétés de gestion. Pour une société de gestion très établie, ce qui est le cas de Raseo, je pense que c'est effectivement une très belle opportunité d'aller à la conquête de nouveaux marchés de façon beaucoup plus souple et beaucoup plus facile. Pour des sociétés de gestion de taille intermédiaire, c'est moins le cas, puisqu'aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur le marché français. Le sourcing de nos deals est effectivement sur le marché français, mais ça reste un outil qui sera extrêmement intéressant, peut-être dans les années à venir, mais qui se travaille différemment en fonction de la maturité aussi de la société de gestion. Bien, merci à tous pour ces échanges très inspirants et nous vous retrouvons bientôt pour d'autres tables rondes CF News.